Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec Charlax et aujourd'hui on se retrouve pour Metal Gear Solid. On a déjà fait une intro, on a déjà essayé de lancer, les gens qui regardent le stream se disent mais qu'est-ce que c'est que ce bordel. En fait on avait lancé mais en extrême, et en extrême c'est chiant. Donc en fait on va pas relancer en extrême. Vous voyez juste cette game là. J'hésite même à lancer juste une game avec les bonus. C'est quoi en vrai? On va lancer la game avec les bonus. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Exactement. Normalement ça, voilà. C'est bon. Bon alors on a tout, on a les munitions infinies, on a le camouflage optique, y'a tout. J'ai fini le jeu 3 fois, c'est pas pour que je sois à poil. Hein? Oh. Et normalement j'ai la tenue de James Bond, si tout va bien, d'ailleurs. On va pas finir le jeu là. Vanessa c'est doux. Comme par hasard. Je déconne. Colonel. Moi c'est cette voix là que j'imite quand je vous fais les voix dans Metal Gear. Ici Snake, colonel, est-ce que tu me reçois? 5 sur 5. C'est ça la voix de Snake, c'est ça. L'ascenseur central semble être le seul moyen. Emmanuel Bonami mon gars. C'est ce que je craignais. Il faut que tu prennes l'ascenseur vers la surface. Mais sois sûr de ne pas te faire repérer. En cas de besoin, contacte-moi par codec, fréquence 140-85. Quand tu veux te servir du codec, appuie sur la touche Select. Si nous cherchons à te contacter, le codec sonnera. Si tu entends ce bruit, appuie sur la touche Select. Les petits os de ton oreille interne sont directement c'est stimulés un peu con, par ça, le d'ailleurs. Du codec. Le coup de l'oreille interne et tout. Hein. Bien reçu. Allez, que la fête commence. C'est parti. Allez, go. Allez. Ah, attendez, oui, j'ai oublié. Je l'ai vu, hein. Hop. Il y a une ration là. Et normalement, vous voyez, voilà, on a le bandana et on a la bandana, le stealth. Et l'appareil photo. Qui en réalité sert à voir les fantômes. Mais en fait, les fantômes peuvent être. Voilà, je deviens invisible. Hein. Je suis invisible. Et le bandana qui permet d'avoir les munitions infinies. Hop. Avec marqué. Sans limite dessus. D'ailleurs le camouflage virtuel en vrai. Je sais pas si c'est aussi fort que ça. Bon ok peut-être. Ok ok. C'est peut-être fort. Mais même sort je passe là. Bah oui. Faut qu'on aille appeler l'ascenseur. Il va se tourner lui. Faut qu'on aille appeler l'ascenseur. Voilà, c'est bon, ouais, ouais. Snake, il y a un ascenseur. Tu peux le prendre pour aller au rez-de-chaussée. Tu dois attendre que l'ascenseur arrive. Cache-toi quelque part pour le moment. CQC. Ça bute parce qu'après ils ont vraiment fait des trucs super précis pour les le corps à corps en Metal Gear, mais au début c'est vraiment genre coup de pied. Je suis Solid Snake. Ah dans le 1 on peut pas si voilà.
J'allais dire dans le 1, est-ce qu'on peut pas FPS, mais si on peut. Ouais, et normalement tu peux même te planquer comme ça. Tu te mets comme ça et tu peux. Hop, sneak peek. Et il te voit pas hein, quand tu fais ça. Bon, l'ascenseur. L'ascenseur. Voilà, merci. Ah, parce que là, le coup de l'ascenseur qui vient jamais, bon. Oui, c'est du triche, c'est de la triche, oui, un peu, mais bon. Vous inquiétez pas, dans le 2 il y aura pas ça, dans le 3 il y aura pas ça. C'est vraiment juste que j'ai poncé le 1 quoi. Voilà, et là je vais avoir normalement la tenue de James Bond, le costard que tu as normalement quand tu as fini le jeu deux fois avec les deux fins. Allez, il se dessape. Voilà le costard. Oh, let's go. C'est le costard. Cette classe, exactement. Metal Gear Solid. Codec ou juste en haut de l'ascenseur? En haut de l'ascenseur. Un IND! Vous allez voir, il va le dire. I'm seeing ladies. Oh oh oh. Ça part en live. Hop là. Avec le costard, c'est encore mieux. Ah, c'est beaucoup plus drôle avec le costard. Un IND! Il va dire comme ça quand il va voir, quand il va voir l'hélico. N'inquiétez pas, le IND return. Le IND will return. Ici Snake, je suis devant le centre de recyclage. Excellent Snake, malgré l'âge, tu es toujours aussi rapide. Yeah, ça va. La combinaison est-elle efficace? Ah, Naomi Hunter. Mais c'est dur de bouger. Vous vous y ferez. Elle a été conçue pour éviter l'hypothermie. C'est l'Alaska, vous savez. Relax, je vous suis très reconnaissant. Sans votre piqûre ni votre combi, je me serais transformé en Eskimo. La meilleure Naomi. C'est un petit d'antigel, Snake. Tous les soldats génomes de cette opération en ont reçu. Je vois. Content d'entendre ça. Déjà testé, hein? Au fait, on en est où de la stratégie de diversion? Deux F-16 viennent de décoller de Galena et se dirigent vers toi. Le radar des terroristes devrait les détecter à tout moment. Linde. Voilà. Colonel, qu'est-ce qu'un hélicoptère russe fait ici? Je n'en ai pas la moindre idée. Mais notre tactique de diversion a marché. Voilà ta meilleure chance d'entrer incognito. Liquide le conduit lui-même. Quel crack! Naomi, la boss. Bon, la boss. Elle a pris les mauvaises décisions, mais c'est la vie. Vous verrez dans le futur. Dans Metal Gear 4. Dans 10 ans. 18 heures avant la fin de l'ultimatum. Pas de temps à perdre. Wow, c'est de la folie de voler avec Aileen par un temps pareil. C'est qui ça? Désolé, je ne vous ai pas présenté. Voilà Aileen. Elle nous a été détachée en tant que spécialiste en traitement de données et de visuels. Elle a conçu le codec, ainsi que ton radar personnel Soliton. Contacte-la si tu as la moindre question sur l'un ou sur l'autre. Ravi de vous connaître, Snake. Très honoré de parler à la légende que vous êtes. Avec la célèbre réplique,
Rien. Bien évidemment. Un concepteur en technologie militaire de renommée mondiale a le droit d'être aussi mignonne. Vous êtes gentil. Non, sérieusement. Au moins, je ne vais pas m'ennuyer pendant les prochaines 18 heures. C'est ça, oui. Oh, j'arrive pas à croire que le légendaire Solid Snake me drague. Me drague? Oui, je suis surprise. Vous êtes plutôt franc pour un tueur. On a tellement de choses à apprendre l'un sur l'autre. Bien sûr. Je meurs d'envie de découvrir le vrai visage de la légende, mais d'abord, il faut que je vous parle de votre radar Soliton. Ça me bute de rire les répliques, putain, mais... Snake, vous êtes le petit point brillant au centre. Vos ennemis... Toutes les répliques de ce jeu, c'est des pépites, mais de fou. Les cônes bleus représentent leur champ de vision. Faites attention, Snake. La thérapie génétique a surdéveloppé un sens de vision et d'écoute chez ces soldats génomes. Soyez bien sûr qu'ils ne vous voient pas. D'abord, infiltre-toi dans le centre de recyclage et trouve le chef du DARPA. Le chef du DARPA a, comme vous, reçu par injection des nanomachines émettrices. Il apparaîtra sur votre radar sous la forme d'un point vert. Rappelez-vous des nanomachines. Essayez d'obtenir de lui ce qu'il sait sur les terroristes. Enfin, s'il est toujours vivant. Je suis redevenu invisible à la fin. Snake, les conditions météo n'affecteront pas votre radar. Mais une fois découvert par l'ennemi, vous ne pourrez plus vous en servir. Oui, il a tendance à flancher facilement. Oui. Il est fabriqué à partir de la technologie actuelle. Vous ne pourrez pas l'utiliser en zone de forte résonance harmonique, alors attention. Nous te suivons par radar, donc contacte-nous par codec aussi souvent que tu veux. D'accord. J'appelle si j'ai le cafard. Dans MGS5 qui se passe avant ça, ils ont les meilleures technologies, mais il faut lire. Besoin d'infos ou de conseils. Je suis aussi responsable des données de votre mission. Contactez-moi pour saisir vos données. Ma fréquence est 140-96. Elle est réservée à la sauvegarde des données. N'oubliez pas... On va sauvegarder, d'ailleurs. Et n'oublie pas qu'à part tes jumelles, tu es tout nu. Récupère toutes les armes sur lesquelles tu peux mettre la main. Ah ouais, ça me revient. D'abord, le docteur Naomi m'a fouillé jusqu'aux os, puis vous m'avez enlevé mes armes. J'aimerais bien vous voir à ma place. Si vous revenez entier, peut-être que je vous laisserai me fouiller jusqu'aux os. Cochon qui s'en dédie, docteur. Au fait, ça part en live. Vous allez être déçu. Mais j'ai réussi à garder mes clopes. Comment vous avez fait? Dans mon estomac, grâce à votre piqûre qui a neutralisé mes acides gastriques. Vos cigarettes? En quoi peuvent-elles vous aider? On ne sait jamais. T'inquiète. Les clopes. Si tu veux entrer... Je touche à rien. La porte d'entrée. C'est le chemin le plus court, mais tu risques de t'exposer à la vision ennemie. Je suppose que je ne peux pas taper à la porte pour qu'ils me laissent entrer. Une sentinelle à droite à moins que... et une à gauche. Ils ont des 5-5-6 coups et des grenades. 5-5-6 coups. Et ce conduit près de la porte? Il devrait y avoir un conduit au deuxième étage. Ils ont des 5-5-6 coups, putain. Vous inquiétez pas, j'ai ma meilleure entrée. Je te laisse choisir le meilleur moyen d'entrer. Snake, je compte sur toi. Bon, on ne va pas utiliser ça. Ne vous inquiétez pas, on arrête de l'utiliser de suite. On va rentrer the old way. The old fashioned way. C'est comme ça. C'est très précis, donc on trace. Hop, je suis passé. Alors à gauche, je crois que c'est une réserve. Ouais. Une caméra de surveillance. Alors. Voilà. Je pourrais éviter de me faire remarquer si Snake est pas con. Bon. Là, c'est quand même plus pratique. Voilà. Parce que cette caméra est très difficile à éviter. Hop. J'ai menti, on va utiliser le truc, hein, vous inquiétez pas. Alors là, il y a lui. Donc là, moi, ma strat, d'habitude, c'est... Voilà. Le problème, c'est la caméra. Donc le mieux, je pense que c'est... Toujours fouiller les camions. Voilà. C'est là qu'on récupère le SOCOM, le flingue. Le pistolet.
cette base a sûrement un système de ventilation. Il devrait y avoir des conduits d'aération quelque part. Tu m'as niqué, Campbell. Faire tourner une base pareille demande beaucoup d'énergie. Il y a sûrement un groupe électrogène. Et vu que pour générer de l'électricité, on a besoin d'oxygène, il doit y avoir des tuyaux d'échappement dans le coin. C'est malin, ça. Tu ne vas pas me croire. Ils sont descendus les S16 que nous utilisions pour la diversion avec un HIND-D. Le tout suivi par un message de liquide. Il dit que si on essaye encore un truc comme ça, il lâche l'ogive. Snake, dépêche-toi et rentre là-dedans. Le HIND va bientôt repasser. Merde, j'ai appelé. Cette base a sûrement un système de ventilation. Il devrait y avoir des conduits d'aération quelque part. On sait jamais. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, Snake ? Sauvegardez, hein. Snake, écoutez ce que Lao Tzu disait. Celui qui sait à quel moment s'arrêter en aura toujours assez. Le simple fait de voir un objet ne veut pas toujours dire qu'il faut le posséder. Si vous n'en avez pas vraiment besoin, pensez-y à deux fois avant de prendre des risques injustifiés. Putain, je le rappelle. Qu'est-ce ah oui, elle est ses proverbes, exactement. Soyez prudent, Snake. Merci, merci Mayling. Hop, lâche-moi maintenant. C'est bon. Hein? Pas vu, pas pris. Pas vu, pas pris. Il ne m'a pas vu. Tintin. Il ne m'a pas vu. Tout va bien. Allez. Je pense qu'on va jusqu'à... Jusqu'aux cellules et j'arrête. Parce qu'après il faut que j'y aille. Quoique les cellules c'est short quand même. C'est à côté hein. Jusqu'à revolver si vous voulez. Peut-être revolver on pourra y aller. Parce que vers 18h30 j'y vais. Ça c'est une ration normalement. Mais voilà. Ce qu'on va faire c'est manger. Je ne peux pas manger. Yo. Bah il y a une ration qui est là. Donc là, c'est censé être un conduit d'aération. Géant, hein, bien sûr. Donc là, on a les petits oiseaux. Non, c'est des rats. La push select. Snake. Ah, Miller, Master Miller. Maître, qu'est-ce que vous faites là? J'en avais marre de faire l'instructeur, alors je me suis installé ici, au calme. De temps à autre, je participe à l'entraînement des scouts d'Alaska. C'est bien d'apprendre la technique à une nouvelle génération. Campbell m'a parlé de la situation ici. Je me suis dit que je serais peut-être utile. Comme conseiller, je ne peux pas rêver mieux. On connaît un rayon en matière de survie en environnement hostile. J'ai vécu plus longtemps que toi en Alaska. Alors rappelle-moi si tu as des questions en ce qui concerne la flore ou la faune. Ma fréquence est 141-80. Des souris assez répandues en Alaska. Master Miller. Ne t'inquiète pas, elles sont inoffensives. Ces souris ne sont pas protégées par une épaisse couche de graisse, mais elles peuvent survivre aux hivers rudes sans hiberner. Elles creusent des galeries sous la neige et elles y restent au chaud. Des spécialistes de la survie, hein. Je devrais prendre des notes. Mais il y a des côtés moins gais. Des fois, les mâles tuent et mangent les petits qui ne sont pas les leurs. Pour garantir la survie de leur gène, non? Oui. Charmant programme, n'est-ce pas? S'il y a des souris, alors il doit y avoir une issue quelque part. Suis les souris. Cannibale. C'est tout droit, hein, faut pas s'arrêter. Tu t'arrêtes, t'es mort. Parce que tu sors, je crois que t'as quasiment plus d'oxygène. Ouais, j'abuse. On va rentrer dans le hangar principal. Là, ce qu'il me faut, principalement, c'est le silencieux pour SOCOM. Parce que là de suite...
le SOCOM sans silencieux, c'est un peu naze. Non, c'est pas là. Parce que je peux pas tirer, sinon je me fais détecter. Donc c'est naze. Ok. Ferme. Le harcèlement. Utilise l'ascenseur pour passer d'un étage à un autre. Merci. Merci Campbell, merci le tips. Sans toi j'aurais jamais su. Bye bye. Je vais mourir. Retour à opposition. Au début je pensais qu'il y avait marqué 131. Mais non, il y a marqué B1. A basement 1. C'est ici qu'on va. Putain. Regardez le radar. Il a trouvé le chef du DARPA. C'est le point vert. Allez vite le sauver. Oui, ça c'est... Merci. Merci le tips. Vraiment, voilà, t'as les numéros de carte. Donc là, il y a Johnny, normalement, mais là on le voit pas. Donc nous, où on va aller, c'est là. Snake, si tu veux descendre ou grimper sur une échelle... Oui, je sais, oui. Merci Campbell, ouais. Et d'ailleurs, je vais vous montrer un truc. Il y a quelqu'un qui est enfermé dans la pièce à côté du chef du Dark Bow. Ici. Je vais vous montrer. C'est une femme. C'est pas lui. Voilà. Qui s'entraîne d'ailleurs. Bon, c'est Meryl, on va pas faire l'aller-retour 14 fois pour l'avoir en slibar. On a compris. Snake. Parce que si tu sors et que tu reviens, elle change de position de d'exercice et à la fin elle est en slip. Regarde autour de toi en mode observation à la première personne. Merci, merci chef. Normalement, le chef du DARPA, il est ici. Voilà. Qui êtes-vous? Je suis là pour vous sauver. Vous êtes bien Donald Anderson, chef du DARPA? Vous êtes venu pour me sauver? Pour qui travaillez-vous? Ils ont envoyé la bonne poire que je suis pour sauver votre peau. Vraiment? C'est vrai. Vous ne leur ressemblez pas. Dans ce cas, dépêchez-vous. Sortez-moi de là. Pas de panique. Le chef du Dark Pole. Dites-moi ce que vous savez des terroristes. Les terroristes? Ont-ils vraiment la capacité de lancer un missile nucléaire? De quoi est-ce que vous parlez? Les terroristes menacent la Maison Blanche. Si on ne cède pas à leurs exigences, ils disent qu'ils déclencheront un missile. Oh mon Dieu! En ont-ils la capacité?
C'est possible. Il pourrait lancer un missile. Quel est leur plan pour la mise à feu? Cet endroit ne devrait être qu'un stockage d'ogives démantelées. Ils ne devraient pas avoir accès à un missile. Ce que je m'apprête à vous dire est top secret. Ok. Nous étions en train d'expérimenter un nouveau type d'arme. Une arme qui révolutionnera le monde. Quoi? Un tank mobile nucléaire. Avec la capacité de lancer une attaque nucléaire de n'importe où. Metal Gear? C'est impossible. Vous le saviez? Mais Metal Gear est un des projets noirs du top secret. Qui vous l'a dit? Disons que j'ai mes entrées. Voilà donc la raison de votre présence sur ce site. Pour quelle autre raison viendrais-je dans un endroit pareil? On m'avait dit que le projet Metal Gear avait été abandonné. Le twist! Bien au contraire. C'est devenu un... C'est ouf à quel point ils ont réussi à faire un truc super cinématique avec si peu de polygones, mais c'est du génie. C'est du génie. Données brutes, puis lancer la production de masse. S'il n'y avait pas eu cette révolution. Révolution? Au Zimbabwe. Rex est maintenant aux mains des terroristes. Rex? Metal Gear Rex. Le nom de code du nouveau prototype Metal Gear. Ok. L'armement de la tête nucléaire dont ils pensent se servir sur Rex doit être terminé. Ces types sont des pros. Ils sont tous capables de se servir et d'assembler des armes. Hé hey, la ferme là-dedans. C'est Johnny. Je pensais que toutes les têtes nucléaires étaient équipées de mesures de sécurité, comme un code de mise à feu. Ah, vous voulez parler du PAL? Bien sûr, il y a le PAL. Ils auront besoin d'entrer deux mots de passe pour déclencher le lancement. Il y a deux mots de passe? C'est exact. J'en connais un et Baker connaît l'autre. Baker, le président d'Armtech? C'est ça. Nous devons entrer chacun notre mot de passe pour permettre la mise à feu, mais... Ils ont trouvé mon mot de passe. Vous avez parlé? Psycho Mantis a la faculté de lire les gens. Il est impossible de résister. Oui, oui. Psycho Mantis. L'un des membres de Foxhound. Nouveau, celui était mais... J'aime pas ça. C'est nouveau. Est-ce qu'on les a tués les autres? Par obtenir le mot de passe de Baker. Et s'ils découvrent celui de Baker? Pour lancer des têtes nucléaires. Ils pourront alors lancer un missile nucléaire. Damn! Il existe un moyen de les arrêter. Lequel? Les cartes clés. Cartes clés? Elles ont été conçues par un... Cartes clés? C'est eux qui ont conçu un système d'interférence d'urgence. Même sans les mots de passe, il suffit d'insérer les clés et d'enclencher la sécurité. Et si je le fais? Oui. Vous empêcherez le lancement du missile. Cette carte-clé là? On les trouve où, ces clés? Baker devrait les avoir. Écoutez-moi, il vous faut trois clés. À chacune correspond une fente. Il vous faudra insérer une clé dans chacune d'entre elles. Ok, trois clés. Avez-vous une idée de l'endroit où il garde Baker? Quelque part au deuxième sous-sol. Au deuxième sous-sol. Ok, pour le C4. De dire qu'il l'avait transféré dans une zone à fort brouillage électronique. D'autres indices? Oui. Ouais, on va jusqu'à un revolver. Ils ont cimenté les entrées, mais ils n'ont pas eu le temps de les repeindre. Cherchez dans les zones où les murs sont de différentes couleurs. Ça vous aidera. Tenez. C'est la classe. La clé. Il ouvrira toutes les portes de sécurité 1. Merci. C'est une carte PAN qui marche en synergie avec le champ électronique corporel. Bien sûr, une carte PAN. C'est ça. Les informations sont transmises par les particules de sel corporel. À votre approche, les systèmes de sécurité des portes liront les données de la carte.
et les portes s'ouvriront automatiquement, compris. Ok, je vais vous sortir de là. On va le sortir de là. Qu'est-ce qu'il y a ? On ne vous a pas communiqué un autre moyen de désarmer le PAL par hasard, vos chefs ou autres ? Non. Vous êtes bien sûr qu'on ne vous a rien dit ? Je viens de vous le dire. La Maison Blanche a-t-elle prévu de céder aux exigences des terroristes ? C'est leur problème. Et ça n'a aucune incidence sur mes ordres. Mais le Pentagone ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Le Pentagone. Il agonise ! C'est quoi ça ? Hé ! Qu'est-ce qui se passe ? Damn. Naomi, le chef. Qu'est-ce qui se passe ? Je sais pas. On dirait qu'il a eu une crise cardiaque. Crise cardiaque ? Non. Colonel. Bullshit. Cache quelque chose. Absolument pas. Snake, comprends que cette opération est classée code rouge. Le seuil de sécurité maximum est requis pour l'accès au dossier complet. En fait, tu es en train de me dire que le leader de cette opération n'a pas accès total aux informations. Je te l'ai dit, le patron, c'est le secrétaire à la défense. Moi, je ne suis là que pour t'aider. Snake, on n'a pas le temps de discuter. Sors de là et trouve-moi le président Baker. Va chercher Baker. Donc là, on doit aller chercher Baker. Bien joué. Quelqu'un qui s'est cassé la gueule. On est en brûle pour point, on est en mode YOLO. Bouge pas ! Y'a un mec qui se fait casser la gueule. Hein. Alors c'est toi qui as tué le chef ? Espèce de salaud ! Salaud ! Liquide ? Non, c'est pas lui. Bouge pas ! C'est la première fois que vous tenez quelqu'un en joue ? Vos mains tremblent. Pas une bleue. Alors la bleusaille, tu sais tirer ? Le deuxième meilleur perso. Meryl, j'adore ce perso. Tu mens. Ce regard nerveux. La peur dans tes yeux. Tes yeux sont ceux d'une bleue. Plus bleue que le ciel. Et tu n'as jamais tué, je parie. Tu parles trop. T'as même pas enlevé la sécurité, la bleue. Je suis pas une bleue. Tu n'es pas une des leurs, toi. Ouvre cette porte. Tu dois bien avoir une carte, non ? Pourquoi ? Pour qu'on puisse se tirer d'ici. On risque d'être un peu retardé. T'attends quoi ? Ne réfléchis pas, tire ! Mais qu'est-ce que t'attends ? Tire ! Je vous l'ai déjà dit, je suis pas une bleue ! Mais tire alors ! Je te dis de tirer ! Voilà! Tire! Le mec derrière, Johnny derrière à moitié à Walpé. Oh, dis-moi que c'est narration. Oh, merci. On peut y aller, hein, j'ai balles infinies. Hop là. Tchao! Snake. Alors,
Le plus grave dans tout ça, c'est que je crois qu'il faut qu'on se retape les cinématiques de merde. Ah non, c'est bon. J'avais complètement zappé qu'il y avait des continues. Pour moi, je pensais que tu mourrais quoi. Mais j'ai... Il y a des continues en fait. J'ai... Comme ça, il est le mec. Il est dans l'agonie derrière. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Non! Tu l'as tué! C'est toi qui l'as tué! Tu l'as assassiné! Normalement, je peux peut-être lui faire un coucou, Ibu. Attends. Coucou! Oui, je peux. Du coup, attends, ça va dire. Ah! Pourquoi je rigole en plus? Oh mais merde! Bon les go! Oh putain, skip la cinématique. Oh trop golerie. Mais qu'est-ce que t'attends? Tire! Tire! Je vous l'ai déjà dit, je suis pas une bleue! Je te dis de tirer! C'est trop bien fait parce qu'elle tremble. Il y a quand même un petit peu de aimlock. Je pense que c'est le meilleur spot ici, me semble. Est génial d'ailleurs. Ok, c'est bon. Et là, elle va nous dire qui c'est. Qui c'est? Ah oui, une femme. Merci pour le coup de main. Attends. Oui, le cul, oui. Qui es-tu? Le cul de Meryl. Attention, ça va revenir. Rappelez-vous-en. Imbécile, tu l'as tué. Je suis. Désolé, boss. Son bouclier mental était très fort. Je n'ai pas pu pénétrer son esprit. Maintenant, nous n'obtiendrons jamais le code. Boss, j'ai une bonne idée. On a des visions. On voit des choses. Mon ligne préférée du jeu, comment tu reprends contact avec elle. Oui, c'est du génie. Hein. Mais je vous montrerai au moment où on devra reprendre contact avec, avec Meryl. Comment on fait. C'est comment, Tis? Elle est bien, cette petite. Elle se dit, what the shit. Comme ça. Naomi, je viens d'avoir comme une hallucination. Ça vient des nanomachines? Non, Snake. Les nanomachines fonctionnent correctement. Alors c'était non, j'ai pas de... Non. Je vous parie que j'ai pas de sauvegarde pour Psychomantis. J'ai pas les jeux qui reconnaît. C'est comme une sorte de boucle de feedback mental. Ça veut rien dire. C'était Mantis. Attends, je peux regarder ce qui reconnaît comme jeu, mais... Non, j'ai aucun des jeux qui peut reconnaître. C'est dans la version, dans Twin Snake, j'aurais eu les jeux. Dans la version PlayStation, j'ai pas les jeux. Ce qui peut reconnaître Sunshine, des trucs comme ça. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Y'a quoi là? Des balles. Je crois qu'il n'y a qu'un seul moment dans le jeu où quand tu meurs, ça tu t'as perdu. Il me semble.
Je crois que c'est à la fin. Quand t'es dans la fin du jeu, si tu meurs, t'as perdu. Il me semble. Bon, j'aurais peut-être à The Twin Snake parce qu'il est vraiment bien en vrai. Après, je l'ai pas. C'est ça le problème. Ça, c'est un 1. Olé. Parce que je crois que tu, dans la porte 1 ici, tu récupères le silencieux. Alors, je me permets. Hein. C'est des casse-couilles. Merci. De toute façon, il va falloir que je sorte la carte. Voilà. Là, normalement, il y a un gars. Je lui ai cassé la gueule. J'ai pas pris le bandeau. J'ai entendu quelque chose. Je me suis frappé par un fantôme. Hein? J'ai entendu quelque chose. Ils se font frapper par des fantômes. Hein. Plus de balles. Ça fait chier. Hein? Je vais essayer d'aller voir en haut s'il y a des endroits où je peux aller. Là. Ah, la boîte. Tu peux changer rapidement. Là-bas, je crois que c'est un 6. On va descendre au basement 2. Le problème, c'est qu'on n'a pas le C4. Je crois qu'il se chope au basement 2 aussi, mais je ne suis pas sûr. Parce que sans C4, on peut pas aller tuer Revolver. Donc, c'est bon. Je vais arrêter là, je crois. On va s'arrêter ici. Il y a les pièges. Ouais. On m'appelle. Bon, je vais y aller. Heureusement, je ne peux pas rester plus longtemps. Je suis attendu. Hop. Donc, je vais sauvegarder et on va arrêter là. Qu'est-ce que c'est, Snake ? Ne vous inquiétez pas. La prochaine fois, au-dessus du jeu. Même. Hop. Je peux pas retourner au menu, donc on va faire une autre roue là. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, une bonne vie. Au revoir et à la prochaine.